What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo, tranquille. Je suis sur le PC là. Je suis en train de regarder un peu mes entraînements, voir ce que j'ai fait, voir ce que j'ai accompli depuis le déménagement. Franchement, c'est pas mal parce que j'ai plus mal au genou. J'ai plus mal au genou. Je suis bien. Je me suis entraîné avec la douleur. J'ai fait les quads, fessiers, ischio et tout. Là, j'ai plus mal. Parfois, j'ai quelques types de douleurs, mais c'est pas les mêmes douleurs qu'avant. Donc je pense vraiment que je repartirai vers du squat très prochainement. Soit le mois prochain, le mois de novembre. Ou alors je verrai peut-être dans la semaine là. Mais je suis bien. Franchement, je suis bien. C'est incroyable. Toi, j'espère que tu vas bien. Hein, que tout se passe bien pour toi. Et puis voilà, là, on fera un petit point sur tout là. Parce que là, je te cache pas, c'est un petit peu difficile à se focus dans les entraînements, dans ce que je fais et tout. Parce que voilà, je devais chercher du taf. J'ai trouvé du taf. J'ai pas aimé le taf. J'ai quitté ce taf. Et j'ai retrouvé un autre taf. Tu vois, c'est incroyable. J'en parlerai dans une autre vidéo. On parle de tout de rien. Encore un CDI qui a duré 3-4 jours. On va en parler, tu vois. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Mais là, tout est bien. J'ai su rebondir, trouver un autre truc. Un truc mieux, un truc où je serai tranquille, où normalement au bout de 3 jours je vais pas quitter, on va rester longtemps et on sera stable. Ça, c'est important pour nos projets, c'est important pour ce qu'on a à faire en Footuess. Et puis voilà, au niveau Footuess, on a une journée. On a une journée de. C'est une espèce de journée d'intégration d'entraînement, tu vois. Une journée où on est ensemble, on s'est entraîné. On a revu les plans de jeu et tout. Moi, je suis venu le matin, j'ai filmé la séance. Un peu faire du contenu pro club, tu vois, comme je t'ai dit. Et aussi pour faire des images. Et l'après-midi, c'était plus un entraînement. Bon, c'était bien, mais voilà, c'était pas ouf non plus, tu vois. C'était pas ouf non plus. Parce que si tu veux s'entraîner le matin, apprendre à manger. Après, on s'est entraîné l'après-midi, ce qui fait qu'on était lourd. C'était compliqué au niveau de l'intensité. Il y avait beaucoup de joueurs, donc au niveau des rotations, c'était dur. Quand t'es pas un joueur titulaire comme moi, pour le moment, et ben, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu vois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et ça commence à être embêtant, ça. Ça commence vraiment à être embêtant. Parce que presque tous mes entraînements se ressemblent. Dans le sens où t'es pas titulaire, t'as pas ta place. Tu peux pas montrer vraiment ce que tu vaux en un entraînement ou en un match. Quand tu fais une erreur, on te recale pendant longtemps, tu vois. Alors que, tu vois, moi, au niveau des règles et tout, tu vois, c'est compliqué. Parce que je n'en ai pas fait longtemps. Et c'est chiant, c'est chiant. Donc, je dois m'entraîner beaucoup plus. Et adapter mes entraînements de musculation au Footuess, tu vois. Parce que là, c'est bien, on est solide, on est dur. Mais mes entraînements de musculation, enfin, jusqu'à maintenant, jusqu'à où j'ai déménagé là, n'étaient pas adaptés pour mon sport. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. On va faire des entraînements adaptés à mon poste, enfin, à mes postes. Comme je t'ai dit, un running back, c'est mon poste de prédilection. Et linebacker, c'est mon deuxième poste. Le poste où, normalement, je peux être titulaire indiscutable très rapidement. Et puis voilà, on va s'entraîner pour ça, aller sur le terrain, faire des trucs. Parce que oui, le club où je suis, il est bien, hein, franchement, il est bien, hein, Giant de Saint-Étienne et tout, il est bien. Mais comparé aux autres clubs où j'ai joué, c'est pas pareil. En fait, niveau intensité, c'est pas pareil. Niveau renforcement musculaire, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Tu auras tes plans de jeu et tout, c'est bien, mais dans un match. Ça va être dur. Ça va être dur. Pas de renforcement musculaire, pas de cardio, rien. Dans un match, ça va être dur. Ça veut dire que le joueur lambda, qui va pas à la salle, qui va au travail, qui s'amuse avec sa famille, avec ses amis, qui va aux entraînements, en match, il va se faire plier en quatre. Déjà, il va se blesser. C'est sûr. Et il va pas tenir un niveau cardio, il sera fatigué. Tu vois? Ça, c'est très très dur. Parce que on n'a pas de renforcement musculaire, on n'a pas de.
de musculation, mais bon, ça c'est plus au bon vouloir des joueurs. Et moi je suis ce joueur-là qui va ramener tout ça dans mon quotidien. Entraînement, deux fois plus. Renforcement musculaire, deux fois plus. Travailler ma vitesse. Travailler ma lecture de jeu. En fait, moi j'ai vraiment travaillé comme un professionnel. Je vais pas travailler comme un mec qui s'est inscrit au foot US et qui veut rigoler. Non, on va faire les choses bien. C'est que là, les vidéos que j'ai faites là, c'est la dernière fois que je fais ça. À part son pay. Je suis venu, j'ai filmé un peu la séance, des trucs. Je suis en train de des images là. J'ai filmé la séance. On a bien rigolé et tout. C'était bien, c'était cool, c'était convivial. Les receveurs, coach en train de parler et tout. Franchement, c'était bien. Mais là, c'est terminé. Là, je viens, je m'entraîne et c'est bon. Parce que le problème, c'est que déjà, je suis pas titulaire. Tu vois. Quand je rentre, je fais une erreur. Je suis sorti vite. Mais bon, ça, c'est normal. Dans tous les sports, c'est comme ça. Je dois pas perdre du temps de jeu. Même si que je m'entraînais deux fois plus que les autres, je ne dois pas perdre du temps de jeu. Ça, c'est important. Donc, j'aimerais la cam pour filmer mon atelier d'exercice. Mais le truc où je me déplace, je fais du bénévolat et tout, non, c'est bon, c'est terminé. Si on me paye, là, c'est différent, mais là, c'est terminé. On va se donner à fond. Parce que je viens de m'acheter un équipement, là. Un casque, des épaulières, des maillots et tout. Parce que les gars, moi, j'ai des maillots du club, ils sentent mauvais. En fait, tu vois, les maillots qu'on a, ils sont pas lavés. C'est-à-dire que tu t'entraînes, tu transpires dedans, tu prends, tu remets dans le coffre. Le lendemain, tu prends. Ça reste des années comme ça, c'est-à-dire qu'il pleut et tout, c'est pas grave, tu mets dans le coffre et quand tu mets, tu sens une odeur que t'as jamais senti, une odeur qui fait fuir les moustiques, c'est incroyable. Donc, j'ai hâte de m'équiper, mais avant ça, faut que je finisse d'emménager, même là, hein, tu vois, la pièce dans laquelle je suis. Normalement, je vais avoir plus de trucs, mais tu vois, des cartons partout et tout. Donc, je vais finir d'emménager tranquillement. Acheter une Play 5, c'est important, ça voilà, c'est primordial pour jouer à Call of et au Spider-Man aussi. Et après, on va s'acheter un équipement décent pour le foot US. On va faire ça bien parce que il y a plein d'entraînements que je vais me filmer seul, je vais m'entraîner seul. À part s'il y a des frères de l'équipe qui veulent s'entraîner avec moi, je vais m'entraîner, je vais faire des vidéos drill. Faire des trucs pour voir où j'en suis, aussi pour partager mon évolution. Et puis voilà. Parce que là, deux entraînements par semaine, des entraînements légers, franchement, c'est pas ça qui va nous faire aller loin. Et c'est pas ça qui va me faire devenir un bon joueur. Vraiment. Hier, j'étais parti à Honnêt Lyon. Je vais mettre les plans là. Je vais mettre les plans vidéo de Honnêt Lyon. Je suis parti là-bas. Honnêt Lyon Gambetta. Franchement, la salle, elle est pas ouf. Elle est pas ouf, la salle. Elle est pas ouf. J'étais juste content de revoir des poids Hammer, de les soulever et tout. De faire les choses bien, de ressentir des sensations que j'avais perdues. Mais. Pff. Les gars, en fait, quand tu t'entraînes dans un Honnêt de Paris et que tu vas à Lyon, t'as l'impression de voir un fitness park. Vraiment. Au niveau de l'agencement de la salle, au niveau des gens, au niveau de. En fait, t'as l'impression de voir un fitness park. Le seul truc qui est bien, c'est que les gens, ils s'entraînent ici. Tu vois. Enfin, je vois des gens avec du niveau par rapport à Basic Fit ou. Basic Fit, franchement, c'est vraiment compliqué, tu vois. Mais. Là. Là, c'était n'importe quoi. Oh, c'était n'importe quoi. Je sais qu'il y a deux Honnêt à Lyon. Il y a Lyon Gambetta et Lyon Botto. Je sais pas comment on dit. Faut que je teste l'autre Honnêt de Lyon. Je vais aller aujourd'hui, mais j'ai plus envie d'y aller, tu vois. Donc, franchement, je verrai. Je verrai. Par contre, au niveau des poids Hammer, je sais qu'ils sont mieux calibrés. Enfin, ils sont calibrés par rapport au poids de Basic Fit. Mais j'ai l'impression que les 50 Hammer. C'est soit j'ai un meilleur grip, soit les haltères elles sont mieux, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus légers que les 50 de Basic Fit. C'est incroyable. Donc, il y a plusieurs explications. C'est soit les poids sont beaucoup plus stables et plus faciles à soulever, sachant que j'ai l'habitude à soulever ça.
et tout. Soit, bah là, en ce moment, je suis sous créatine. Donc, voilà, créatine tous les soirs avant de dormir. Ça, tu gagnes en force énormément et tu le sens. Dans tes séances, tu le sens. D'ailleurs, bon, j'allais dire code dame sur MyProtein, mais créatine, ça marche pas. Créatine éclair, ouais. Mais si t'as d'autres trucs sur MyProtein, tu mets le code dame, c'est important. Soit ça, ou soit, franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais c'était facile. En fait, les charges étaient légères. Bon, j'ai pris un pré-workout aussi, ça aide. Mais les charges, c'était légère. J'étais bien, je me sentais bien. J'aurais pu faire un rest pause de 2 secondes avec les 50. Mais ouais. Ouais, franchement, c'était facile. Faut qu'on parle des machines guidées aussi. Tu vois, moi, les machines guidées, j'aime pas du tout à la salle. J'aime pas. Là, j'en ai fait parce que voilà, j'ai fait 1 heure de route pour arriver là. Mais tu vois, les machines guidées, je déteste. Je préfère travailler aux haltères. Je préfère travailler aux haltères ou d'autres machines guidées. Mais tu vois, les machines pec, les machines et tout, j'aime pas. Sauf pour le dos. Que le dos, pas se mentir, c'est les meilleures machines guidées pour bien développer son dos. Mais les pecs et tout, j'ai du mal. Pec, épaules, biceps, triceps en guidée, c'est dur. En fait, si c'est pas le dos, j'aime pas. Même le dos, j'ai testé un espèce de tirage vertical, je crois. Ouais, vertical. J'ai pas aimé. Je préfère le tirage vertical à la barre classique. Mais toutes ces machines-là, franchement, c'est bien, tu fais un bon mouvement, mais t'as pas les mêmes sensations que les vrais tirages. Et ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'en ai profité pour faire quelques petits reels et tout, parce que voilà, il faut que j'en fasse. Je me suis remis dans les petites vidéos motivation et tout. Il y a de la parole, il y a du texte et tout. Donc voilà. Sinon, Lyon, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Je suis plus allé pour voir si mes clients en coach sportif influenceur, je peux les amener ici ou pas. Et je pense pas. Honnêtement, j'ai trouvé un autre truc. J'ai trouvé une autre salle tranquille, une salle où je peux ramener mes clients, je peux faire des vidéos avec eux et on peut être tranquille, faire des vraies vidéos. Je sais qu'il y a le Eric Favre Gym vers Villefranche. Ça encore, ça c'est loin. Ça. En fait, il faut vraiment une voiture. Mais il y a un Eric Favre Gym, la salle elle est bien. Et je pense que là-bas, je ferai mes vidéos. Je pense. Et j'amènerai des clients. Donc, je vais voir. Et dans tous les cas, je te tiendrai au jus sur ça. Ouais, sinon, c'est une petite vidéo simple. Hein. C'est une petite vidéo simple. Prochaine vidéo que je vais faire, on va élaborer un programme de musculation ensemble. Un programme que je vais suivre maintenant que les douleurs aux genoux, ils diminuent. Un programme que je suis souvent en salle et que je vais faire ça bien. Il y aura d'autres vidéos. Des vidéos où je t'ai dit du concept, où on parle de tout de rien. Les Dams Cast. On va faire ça bien. Et puis, ça peut être un Dams Cast là. Mais pas vraiment de sujet. Là, on est plus sur le foot et tout. Donc, voilà. Voilà. On va se donner à fond. Le mois de novembre va être chargé pour moi. On va commencer un vrai taf. On va se fatiguer, mais on va avancer. On va avancer. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, un commentaire, c'est plaisir. Vraiment, ça me donne de la force. Abonne-toi si c'est pas fait. Et puis, commande avec le code d'AMSOMAIPROTEIN, c'est important. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.